Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Technomancer. On fait continuer, on repart dans cette histoire sombre et complètement martienne, tout simplement. Alors par contre c'est toujours les mêmes... Non, je regarde si on peut pas changer l'indication de chargement. C'est toujours les mêmes, c'est un petit peu dommage. Du coup, on apprend très très peu sur le jeu. Bon, en un sens, c'est pas plus mal, on n'est pas trop spoilé par les capacités du joueur et du personnage, surtout. On était vraiment là. Oui, oui, je me rappelle. On avait récupéré la solde juste avant de se laisser. Du coup, qu'est-ce qu'on avait récupéré exactement? Clé à molette plombée, oui, si tu le dis. Crac, 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 rien par là apparemment. Et ici... Plastron de soldat léger. Ah oui, il pouvait pas le porter, c'est ça qu'on avait récupéré, il ne pouvait malheureusement pas le porter. Cependant, notre tank pourrait... notre tank pourrait peut-être le porter, ça pourrait être sympa. David Ward. Torse, plastron de soldat léger. Crac, vas-y, mets ça. Parce qu'au final, regardez, ça amélioré, c'est équivalent à ça. Donc bon, en soi, c'est pas plus mal. Donc je préfère l'avoir avec une armure, lui, ok. Ça c'est bon, David Ward. Hop, c'est ici. Plastron de soldat léger, on peut juste améliorer le dos. Tiens donc. Dégâts de poison, dégâts électriques, c'est une ceinture en fait. Ok. Réduction de dégâts niveau 2, juste pour voir. Réduction de dégâts niveau 1. Ah, la réduction de dégâts niveau 1 était plus jolie à regarder, je trouve. Mais bon, why not. Ça fait peut-être un peu plus ceinture de dos en fait, ça c'est rigolo, mais bon, pourquoi pas. Le voilà, amélioré. Ok, bon, ça c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on avait... Tu peux t'arrêter de marcher, s'il te plaît, t'entends, merci. Qu'est-ce qu'on avait comme quête à faire, chers amis? Donc servir pour abondance, phase de bassine. Non, d'accord, contre-attaque. Rejoins dans le hangar des rovers, excusez-moi, j'arrive pas. Aller dans la zone des réparations. Oui, je me rappelle, ça y est, ça me dit vaguement quelque chose. Archéologie dans le désert, ici, champion de l'arène. Ça, peut-être qu'il faudrait qu'on aille le voir. Trafic d'armes, je ne voulais pas la faire. Une amie sous pression. Surveiller le soldat, auteur des menaces. Exact, 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 exact. Et donc il fallait sortir, me semble-t-il. Il était juste là. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Cela me dit vaguement quelque chose. On va donc ressortir par là-bas. Et suivre notre ami. Le trou du cul qui menace la demoiselle qui nous drague. Voilà, c'est le résumé de la situation. Pas le fouiller, ok. On a toujours le bonus d'XP, oui, allez. On va le perdre dans les quelques secondes qui arrivent, mais c'est pas grave. C'est lui, on est d'accord, hein. On va faire une sauvegarde au cas où, parce que si des fois que ça nous met un truc genre, vous avez raté parce que vous n'avez pas réussi à le suivre discrètement. Paying a visit to that pretty Abby girl. Yeah. Chick didn't learn her lesson after we tore down her shop. Maybe we could teach her a lesson in some other ways. Oh, putain. Sick. You're sick. But it's a sick I wouldn't mind catching. Yeah. Why not? Damn pretty girl. I'll grab Chris and we'll make it a party. Nice. Sounds good. Hey, shut up. I hear something. All right. Pretty simple. Just gotta stop the soldier so he can't make good on his threats. Well, you know something? It's assholes like them who screw up our reputations. They deserve every damn bit of beating we're gonna give them. For once we agree on something. Et donc l'objectif c'est de la protéger pendant 3 heures? Ah non, on a 4 heures pour le faire, d'accord? Hey, stop it! Soldiers, cut it out! Who the hell you think you are? Trying to give me orders, Mancer? I don't report to you, and you don't have a damn clue what's going on here. We'll take what we're owed from the broad and leave it for dead if we want. Oui. We clear? Or did we misunderstand and you just want to join us in the beatdown? Et dis donc, tes couilles, t'as fait comme tes cheveux, tu les as coupés? Aïe. Hop. Hop les. Hop les. Crac. Boum.
Boum, bonjour madame. How do I thank you for everything you've done for me? I don't. If there is anything I can ever do for you, oh. Please tell me. Non, je ne suis pas comme eux. Thank you. C'est un véritable plaisir, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas, ils ne reviendront pas. Un petit peu de sérum. Un petit peu plus de sérum. Encore plus de sérum. Et... rien de bien intéressant, ils n'ont même pas récupéré leur équipement, c'est vraiment dommage. J'aurais bien récupéré son bouclier. Qu'est-ce que c'est que ça? Les bacs attirent dans la réparation, oui d'accord. Non, c'est plutôt la source qui m'intéresse et je vais aller voir Nisha, je ne sais plus. Et c'est vraiment chiant au niveau de cette map. Donc à droite, puis à gauche, puis... d'accord. À droite. Excusez-moi, je suis encore à moitié mal à la gorge. Alors. Bon, bah, ça se passe plutôt bien. C'est joli quand même, hein, malgré tout. Et là, on voit un petit peu de lumière, hein. Ne vous inquiétez pas, on voit la lumière au bout du tunnel, chers amis, on a enfin accès au rover, ce qui fait que par conséquent, on sera même à même de sortir de cette ville qui est Abondance, hein, qui est Ophir, pardon. Ophir, c'est Ophir, je crois. Abondance, je crois que je sais pas ce que c'est exactement qu'Abondance, en fait. J'aimerais bien qu'il m'explique encore une fois. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bonjour. Hop, on va faire une petite sauvegarde quand même, malgré tout, chers amis. On verra bien. Hey, Nisha. Well, day's looking up already. Racontez ce qui s'est passé. I took care of your friend's problem. The soldiers won't be bothering Abby anymore. It's a promise. Thank you. That's really nice of you to help two ladies needing a hand. You're a real sweetheart. Really hope I can repay you in the future. I'll never forget what you did. Prouvez ma gratitude. Can I ask how you ended up becoming an artist? That's a long story, officer. Not the happy kind. Don't want to depress you. I got all night. All right. Okay. You asked for it. Mm-hmm. I got left alone when I was young. Parents died, so I was forced out on the streets. One of a thousand orphans like me. Did a lot of stuff I wasn't proud of, but had to get by, you know? Je veux pas savoir. Then I got lucky, and the center took me in. Gave me food and clothes and an education and hope. And a purpose once they taught me music. And confidence once they told me I was talented. Mm-hmm. So, when I was old enough to leave the orphanage, I got lucky and met some other musicians who gave me a lot of help. Ended up performing in some bars around the slums. Not glamorous, but I got lucky and it got me here. So, j'ai d'avoir les reflets des lunettes. So sad after all. Enfin bon, c'est pas vraiment le personnage le plus intéressant, hein. Enfin, physiquement, elle est intéressante, mais après, pour le reste... J'essaie de me coller contre un mur. La lumière, elle tient comment, en fait? Parce que j'ai l'impression qu'elle est plantée sur moi, en fait. Parce que chaque fois que je mets un nouvel équipement, elle ressort. C'est bizarre. Bref, là c'est quoi? Oui, récupérer les armes, ouhou, génial, top moumout. Ok, bon, ça c'est fait. Aller dans la zone de réparation, ça peut être sympa. On va aller se faire ça. J'aimerais bien en finir plus ou moins avec la zone au moment où... pourquoi j'ai un point de... C'est quoi ce bordel? La gare est un chauffeur, allez faire ses adieux à Sean. Ah oui, bon, on va faire ça, on va commencer par ça, chers amis, parce que le pauvre, moi je l'aimais bien. On sait tous qu'il va mourir au front, hein. On l'a tous compris. Mais bon, c'est ainsi. Il faut qu'on lui dise au revoir. Oula, il m'a vu, il s'est vite rassis celui-là. Alors, c'est par où? Sean, t'es où? Ah, mon ami, tu es là. Zachariah, so your captain told you I was heading out, did she? I should be grateful. It is good to see you. Perhaps for the last time, I'm leaving for the front, as expected. Ah, fais chier. I wish you could stay longer. Wish that I could as well, if not only to appease my concern for you. But their will moves more than my desire. So they separate us, as they always have. To keep us divided. And I fear to further isolate you.
Mm-hmm. Stay wary, mindful. You are in their sights, my dear Zachariah. You are the newest initiate, the youngest. And so, to them, the most attainable, the shortest route to knowing our secret. Such is our world. We are pawns in a chess game played by imbeciles, clinging to nothing but illusions of power. And the real power that illusion brings. Take care, Zachariah. Take care. I will. Un mec bien. My word. Until we meet again, master. Et il l'appelle maître encore une fois. This is more of a farewell. And it's Sean. Non, moi je trouve que c'est bien qu'il l'ait appelé maître. Donc en fait, il est envoyé au fond pour être éliminé, clairement, et il le sait. Et ça fait chier. It is always sad to see a friend leave, especially when you know that he's going to risk his life every day. You must be feeling very lonely. It is up to you to earn a new friend to support you through hard times. A friend powerful enough. Have you thought about my request? What's a little secret shared against a strong friendship, after all? I would be honored to have you among my friends, Colonel. But alas, I don't know what secret you're alluding to. Bien. I'm sorry. A pity indeed, because you will find out soon enough. While I can be a great friend, I can also be a fierce enemy. See you later, Lieutenant. Bien, j'ai eu peur qu'on ait le choix, à vrai dire. Parce que si on avait eu le choix, ça voudrait dire qu'on aurait vraiment pu changer toute l'histoire du jeu, à mon avis. Ce qui est peut-être censé être le cas, normalement. Et c'est bien dommage. Mais bon. C'est ainsi. On va pas chercher trop loin non plus, d'accord. Il y a des piles pour alimenter l'arbre, je présume. Dit comme ça, ça peut paraître stupide, mais bon, vu la quantité de vie qu'il doit y avoir sur cette planète. Alors, on peut passer par là, on peut passer par là aussi. Allez, dans la zone. J'aimerais bien faire les réparations d'abord. J'aimerais vraiment faire les réparations avant de faire autre chose. Ce serait vraiment sympa. Hop, on va vraiment passer par-dessus le mur, j'imagine, voilà. Ah oui, je me rappelle de cet endroit. C'est pas un cul-de-sac ou un truc du genre? Voilà, c'est ça. Que je peux passer par là. Ok, vendu. Là il y avait une jeune femme qui marchait contre le pilier. J'ai pas encore compris pourquoi ni comment. Alors. Et on y est normalement. On y est. On commence à se... on va se barrer bientôt de la ville qu'on commence à peine à se repérer dedans. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Alors. Alors le sprint, faut penser à l'utiliser pendant les combats, hein. C'est extrêmement pratique. Plus que l'esquive, faut que j'y pense. Alors, on a donc... Tiens. Oui, d'accord. Ici, c'est le rover, donc vaut mieux qu'on aille à gauche, je crois. Voilà, pour aller ici. Aller dans la zone des réparations. D'accord, on y va. Plutôt à gauche, donc. C'est parti. Hop. Donc là, c'est là qu'on avait rencontré, voilà, la chef du clan. Ok. Ça me semble correct. Est-ce qu'on va se faire agresser? D'ailleurs, quels sont... où en sont nos réputations? Ça pourrait être intéressant de voir ça. Peut-être potentiellement ici. Bon karma. Bon avec Jeffrey. Bon avec David. Amical avec abondance. Amical avec l'armée. Les mutants libres, hostiles. Les voris, suspicieux. Les oppositions... Oh, l'opposition, pardon, suspicieux. Les mutants libres hostiles, carrément. On a libéré un mutant. Allez-y, venez me voir, y a pas de souci. Je commence à en avoir ras-le-bol, chacun d'entre vous. Hop. Crac. Hop les, voilà, problème résolu. Alors pour tous ceux aussi au passage qui ont des remarques un petit peu désobligeantes dans les commentaires, comme quoi je suis mauvais parce que j'ai pas eu la tique, tout ça, hein, vous vous calmez. Il y a le fait que je veuille les tuer parce que voilà, on est censé le faire, enfin les mettre hors d'état de nuire parce qu'on est censé le faire. Et le fait qu'on est peut-être aussi allé dans une zone où on n'était pas forcément censé tout réussir du premier coup. Voilà le truc aussi, hein. C'est ici. Apparemment c'est par ici que c'est cassé. Oui effectivement je vois des... Non même pas.
J'aurais juré que c'est... Ah, pardon, pardon monsieur le l'homme stoïque. Hop, on ouvre la porte de manière normale, hein. Pas violente, c'est pas notre genre. Et donc c'est ici qu'il y a une espèce de révolte des mutants. Vous savez, j'ai rien contre votre espèce, hein, si je puis dire. Hein. Ok, on va essayer de tous se les faire de manière polie, si je puis dire. Bonjour madame. Bonjour. What's the problem? Why aren't you working? Their kind work like one. If one is hurt, they all cannot work. And now they have one who is wounded, so they are all helpless. But the man do not want to help the wounded. They just want him back on the roof. On se cache entièrement d'accord. Proposer de soigner le blessé. Where's your hurt friend? I may be able to help him. Et donc, c'est lui. Soigner. Tentative de science réussie, d'accord, parfait. Voilà ma petite dame. Here, your friend's as good as new. Back to normal. Thank you. The man was very nice. They will go back to work now, and if they survive, we'll not forget what the man did for them. Eh bien, écoute, c'est un plaisir. C'est un véritable plaisir. Il reste des êtres vivants. Voilà, on va sauvegarder à nouveau, mais jusque-là, on n'a pas trop de pépins. Il reste des êtres vivants. Get back to work. You're putting a lot of lives at risk. They will die beneath the eye of Father Son if they go up to repair the roof. The man knows this, but does not care about them. Il faut le faire. Maybe you're too dumb to put it together. So let me spell it out for you, mutant. The roof needs to be fixed by your kind. Now, we don't care how many of you die doing it either. You don't want to go up and repair the roof? Fine, your choice. We'll just send your children and your elderly. All those too weak to rebel. Je suis pas d'accord. J'espère que c'est qu'une menace. You'll all die anyway, and without even doing any good. That what you want? The man would send our children. The man is. They will go back to work. Leave our children be. Merci. Ça va être au-dessus, je pense. Hein. C'est pas un mec dans une cage. Exact, c'est au-dessus. Bon. Je suis pas d'accord avec la... Enfin, je suis d'accord avec la méthode si ce ne sont que des menaces en l'air. Voilà ce que je vais dire. Voilà la seule chose que je vais aborder. Alors, bonjour. Let's go. You can't just sit around while the city's exposed. Get back to work. They would, but their tools are too damaged to work. With bad tools, they will be in the eye of Father Son longer. Père Soleil, c'est joli. Je peux réparer tes outils si tu veux. Let me see your tools. Maybe I can fix them. If the tools are made better, they can and will fix the roof. To think that the city's life depends on an incomplete toolbox. Ridiculous. We should be able to fix it, right? Compte sur moi, l'ami, compte sur moi. J'ai justement la tenue qu'il nous faut. Hop. Crac. C'est ça ma tenue? D'accord. La boîte à outils, c'est où? Les outils. Les outils. Où qui sont leurs outils? Ah voilà, réparer. À tout quand même sur le principe. Ah bah parfait. Voilà. Je suis content, je sauvegarde à chaque fois, mais c'est pas forcément nécessaire de sauvegarder vu que j'y arrive. Hop. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai réparé tout ça. They fixed your tools. Should make the work go faster. The man made the tools like new. They will do as they promised and go fix the roof now. Merci. C'est gentil. Et donc le dernier se trouve dans une cage avec un gros devant la cage. Ce qui n'est pas forcément une des meilleures idées de le contrarier. Hein. J'aurais bien aimé amener Beg ici. Alors, c'est celui qui fait les pompes. Alors c'est pas forcément mieux non plus. Bonjour. Oula, la tête qui se tape. Just to talk to you. You need to go back to work. No. They will not. They will not die to go repair roofs.
broken by men. Men must find another way to fix it. Tentez de les convaincre, une chance sur deux. Listen, I know it's dangerous work, and the odds are pretty high that some of you may die doing it. But if you don't, the whole city will suffer, and all of you in the pen will die. Not just a few. I know it's an enormous sacrifice to ask, but it's for the greater good. The man tells them oh lies. Alors là, non. Non, je suis désolé, monsieur l'arbitre. J'ai fait un des meilleurs speeches du monde. Si t'es trop con pour le comprendre, je ne vais pas l'accepter. Genre, j'étais partant à la base pour en fait ne pas utiliser les sauvegardes. Pour être tout à fait franc avec vous. Mais là, pour le coup, non. Je suis désolé, le speech est bon. Le speech, c'est pas un problème de speech. Là, c'est un problème de mec qui est juste un con. Donc, non, je suis désolé. Putain, j'ai une chance sur deux, mais c'est pas suffisant. Hein. Incroyable. Complètement incroyable. Mais non, je suis pas tout à fait d'accord là pour le coup. Non, le speech est bon. Je vais rien lâcher parce que là, c'est juste une question d'être un connard quoi. Tout à l'heure, je les ai menacés les autres parce que voilà, il y avait tout le monde allait en prendre dans la gueule et là, il a accepté. Lui, il accepte pas. Bah écoute. Mais. C'est pas possible. Ok, je vais mettre une armure. Qui augmente mon charisme? Je dois en avoir une. Je crois que j'en ai une seule. Je suis pas tout à fait sûr encore. Mais je crois que j'en ai une. J'ai dû en choper une à un moment ou à un autre. Non? Non! Bon, écoute, on va tenter jusqu'au bout. Hein. Mais là, lui, je laisserai pas passer. Honnêtement. Putain, c'est pas possible! Combien de fois je vais devoir le faire pour qu'il accepte? J'ai 50% de chance, hein, je précise quand même. Hein. Mais Oh! What just. No, they will not. Listen, I know it's in a. The man tells. Ah, mais il veut pas, hein! Il veut vraiment pas, hein, c'est fou! C'est fou! Allez! Et là, tu veux ou pas? What does a man want? Just to talk. No, they will not! Allez! Listen, I know it's in a. The man tells them lies. Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Ça fait 2 minutes que je me tape ça? Mais c'est un trou du cul! Une chance sur deux, vous êtes sérieux ou c'est juste chiqué votre. Listen, I know it's day. I know it. If the man tells ah, voilà. The truth, they have no choice. They will go back to work to save the many. They wish the man would protect the city better in the future. So these sacrifices never have to happen again. Believe me, we're gonna try our best. The man must think about those going to die for him. Not forget what he asked of them. Voilà, je préfère. C'est débile parce que c'est le même speech qui marche ou qui marche pas selon l'humeur du bonhomme, quoi. Donc non. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de faire dans le jeu. Ils auraient dû mettre un texte qui est mauvais et un texte qui est bon. Et là, du coup, on aurait pu comprendre que effectivement, il y avait des raisons que le personnage n'accepte pas. Le pitch était bon. Hein. Le pitch était clairement bon. Ah merde, j'aurais dû parler à lui directement. Dommage. Demi-tour. On y retourne. On ouvre la porte. Non, pas trop de violence. Ah, oh, mais l'animation de cette porte. C'est dommage, on a tout pour faire un bon jeu. Oh, great. You're back. What do you want? C'est toujours aussi agréable. Faire son rapport sur la. I managed to stop the rebellion. The mutants should resume work soon. There's a bit of good news. Sure it wouldn't have ended so well without your help. I would have lost my job, so thank you. De rien. C'est un véritable plaisir. Pour 2000 points d'expérience, c'est un plaisir. Allez faire notre rapport au capitaine. Je pense plutôt qu'on va aller voir directement les rovers. On va aller voir lui d'abord, par contre. Hey there. Officer, hello.
Qu'est-ce que t'as comme marchandise intéressante? Aucune recette. Il a rien de vraiment intéressant. Est-ce qu'on a un autre marchand pas loin? Commerçants, commerçants, ils sont assez loin malgré tout. Ah, quoi que non. On va aller voir les deux commerçants qui restent. Voir si on peut pas faire une... apprendre une amélioration sur quelque chose. Surtout ça qui, nous, qui compte en fait pour le moment. Bonjour madame. Aucune recette madame? Vous aviez un hachoir, un pistolet d'impact lent, les gants de Technomant d'Aurora qui sont moins bons que les miens. Qui sont équivalents aux miens peut-être. Masque filtreur d'air. Costume d'officier. Et le deuxième qui lui vend des injections si je ne me trompe pas. Voilà. On va bien voir, regardez les marchandises. Matraque loot. Ah, il vend des armes quand même. Bâton à pic. Bâton à pic, j'ai quoi sur moi? Bâton simple. Bah voilà une bonne chose. Bâton à pic, bouclier de soldat à lame. Je peux le prendre. Fusil de soldat, bon, ça c'est pas extrêmement important. Cagoule anti-sable, ça, ça peut être intéressant aussi. Je vais prendre. Veste de mercenaire, d'accord. D'accord, rien de bien intéressant là-dedans. Ok. Ok, ok. Donc, au niveau de cet équipement, on va se mettre côté lumière. Hein. Même si on n'a pas des masses. Ok, alors. Équipement, on a donc vu une cagoule. Cagoule anti-sable, ça peut être intéressant. Vous n'êtes pas une cagoule... Oh, c'est un peu trop violent pour moi. Au niveau des armes, cependant, on a des choses à changer. Bon, il est un peu plus rustique, hein. Ok. Ah, en voilà un beau. Ok, je prends. Est-ce que pas loin... Ah, sur place, on en a un. Parfait. Sur place, on en a un. Donc, on peut tourner à droite, au bout de la rue. Et rejoindre la zone de mission. On va pouvoir améliorer notre équipement un petit peu avant de partir. Ça peut être sympa. Hop. Ah, bonjour. Bonjour. Ah bah c'est vous, a technomancer, right? Get the hell out of here. You surge around here, you're gonna fuck up my baby for good. Ah, just like you don't spontaneously combust, we don't spontaneously surge. Is that you on the poster? Yeah, name's Amelia Reacher. We're discoverers one and all, like father, like daughter. Why? What's it to you? Well, me and my men need to get to a site on one of Aurora's shadow paths. Heard you'd make that happen. Wish they gave me a heads up a mancer was coming along. But orders are orders. I can take you whenever you're ready. Merci. On va revenir plus tard. On va d'abord améliorer notre équipement. Elle a peur de m'apprécier des masses, cela dit. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Rien à améliorer dans le coin. Ici par contre, on a des choses à améliorer. Bâton à pic. Voilà. Critique. Dégâts améliorés 2. En fait, ça fait la même amélioration partout, j'ai l'impression. Est-ce qu'on va voir ce qu'il faut? Oui. Dégâts améliorés 2, ça change quoi au niveau du pic? D'accord. Juste pour voir, dégâts améliorés 3, ça donne quoi? Un pic avec des... encore plus de pics. Dégâts améliorés 4, ça donne un bout de bâton avec des lames. D'accord. On va passer sur dégâts améliorés 2. Hop. Ah, elle me fait chier cette petite, ce petit couinement au niveau du, de la manette. Je suis désolé, chers amis. Ça peut rapidement être énervant. Centre. Alors, critique améliorée. D'accord. Oh, joli ça. Interruption améliorée, dégâts améliorés, oui, pourquoi pas. Critique améliorée, interruption améliorée. Ça pourrait être intéressant, ça. Ça pourrait être intéressant, on va cependant passer sur rien du tout, parce qu'on n'a pas les pièces de métal nécessaires. Si on a amélioré, on va prendre le niveau 1, voilà, classique. Voilà. Ok. Bon, on est plus ou moins équipé. Là, j'imagine que c'est sa chambre. Et là, on n'y a pas encore accès, je crois. Bon, bah écoutez, on va y aller, chers amis.
on va y aller, mais on va y aller dans le prochain épisode en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, pas trouvé le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yoop.